de séance, mes chers collègues. Je suis très heureuse que nous puissions avoir ce débat de fond d'investissement de la région qui s'est imposé comme un outil essentiel dans notre stratégie de développement économique à l'échelle régionale. Le rapport d'observation qui nous est proposé aujourd'hui vient saluer l'excellente gestion et les résultats remarquables du Paris Region Venture Fund, dit PRVF, présidé par l'excellent Othmane Nasrou. En premier lieu, permettez-moi de souligner la croissance exceptionnelle du PRVF depuis sa création. Doté initialement de 6 millions d'euros, son capital s'élève aujourd'hui à près de 50 millions d'euros. Une masse critique qui permet d'impacter réellement notre tissu économique. Depuis l'élection de Valérie Pécresse en 2015, ce fonds d'investissement s'est imposé comme un pilier essentiel de l'économie francilienne en finançant et en accompagnant 45 startups innovantes depuis 2011 et en contribuant à la création de plus de 500 emplois sur notre territoire. Ces réalisations ne sont pas seulement des chiffres, elles représentent des vies changées, des carrières lancées, des innovations qui façonnent l'avenir de l'Île-de-France. Le PRVF a joué un rôle déterminant dans l'émergence de champions technologiques et industriels, renforçant ainsi notre région en tant que hub d'innovation reconnu à l'échelle mondiale. Le rapport de la Chambre régionale des comptes ne fait que confirmer la pertinence de la stratégie adoptée par le fonds, reconnaissant sa gestion rigoureuse. Le rapport met en lumière l'efficience et la vertu du PRVF, non seulement en termes de création de richesses pour notre territoire, mais aussi pour notre institution régionale, avec un rendement supérieur à 7%. Au-delà des chiffres et des réalisations, ce rapport est une marque de reconnaissance de la vision stratégique de la région. C'est la preuve que, face aux défis économiques, nous avons su mettre en place un outil puissant soutenant l'innovation et la réindustrialisation de l'Île-de-France. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les succès passés, mais aussi les promesses de l'avenir. Le PRVF s'apprête à écrire un nouveau chapitre avec une thèse d'investissement renouvelée, focalisée sur la réindustrialisation de notre région. Cela illustre notre engagement continu envers l'innovation, le développement économique et la création d'emplois. En conclusion, je tiens à féliciter tous ceux qui contribuent avec succès au succès de ce fonds. Ensemble, nous continuons à bâtir un avenir prospère pour l'Île-de-France, un avenir fondé sur l'innovation, la solidarité et la croissance durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anna.